Attention, la vidéo qui va suivre est l'œuvre d'un stratège aux opinions douteuses qui dit ce qu'il pense et ne prétend pas détenir la vérité universelle. Merci. Yo les trashers, on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour voir la suite de la vidéo de la dernière fois qui concernait les starters Pokémon. Après avoir vu la dernière fois la vidéo qui vous a tous contenté, c'est qui les plus puissants? Et ben maintenant, je vais prendre votre torrent de haine, je suis prêt pour les pires starters Pokémon et on part directement. Le premier Pokémon dont on va parler, c'est Roitiflame. Roitiflame, c'est un starter de la 5e génération de type feu et combat. Et ce Pokémon est considéré comme moyen moins. Roitiflame, qui est un Pokémon qui a une très bonne statistique d'attaque, mais en fait, son gros problème, c'est sa vitesse, parce qu'il est extrêmement lent. Et son autre problème, c'est qu'il souffre de la comparaison trop souvent vis-à-vis d'autres Pokémon feu. Je m'explique. Si vous voulez un Pokémon plus rapide qui peut aussi poser les pièges de roc, eh bien, vous prendrez Simiabras. Si vous voulez taper extrêmement fort, mais en même temps utiliser un mouchoir choix ou ce genre de truc, bah, vous prendrez Darumacho. Si vous voulez un Pokémon qui a du bulk, vous allez prendre Arcanin, etc., etc. Et au final, en fait, c'est un Pokémon qui est pas mauvais en soi, mais il est trop médiocre pour être bon. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il est à la 6e place de ce classement des pires starters. On continue avec Clamiral. Clamiral qui est un autre des starters de la 5e génération. Et en fait, eh bien, c'est quoi le problème de Clamiral? Bah, c'est qu'il est moyen. En fait, le problème avec les starters, c'est que vous verrez qu'ils sont souvent pas si mauvais que ça. Mais il y aura toujours mieux à utiliser. Par exemple, là, on a un Pokémon qui a une statistique d'attaque moyenne, une statistique d'attaque spéciale correcte et une vitesse extrêmement médiocre. Mais ce qui le rend pas mal, c'est qu'il a accès à des attaques assez intéressantes, c'est-à-dire Mega Corn, il a Aqua Jet et tout. Mais au final, enfin, je veux dire, c'est un Pokémon, on sait pas vraiment à quoi il sert. C'est-à-dire que, pareil, hein, si vous voulez un Pokémon de type eau qui tape extrêmement fort, bah, vous allez prendre un truc genre Keldeo. Si vous voulez un Pokémon de type eau qui prend très bien les coups, bah, je sais pas, il y a Milobelus, Aqualis, ce genre de truc. Et au final, bah, vous avez un Pokémon de type eau pur qui va taper moyen fort, bon voilà, c'est tout. Le Pokémon suivant, c'est Typhlosion. Typhlosion, c'est le starter de la génération 2 de type feu. Typhlosion, en fait, c'est un Pokémon qui a les mêmes statistiques que Dracaufeu. Et le problème de Typhlosion, c'est que là où Dracaufeu, bah, il était mauvais, mais il a eu deux méga évolutions extrêmement puissantes, eh bien lui, il n'a rien eu. Donc le seul avantage qu'il a sur Dracaufeu, c'est éruption, hein. Mais ça reste quelque chose de très médiocre, étant donné que sa vitesse n'est pas suffisante, et même son attaque spéciale n'est pas suffisante. En fait, le truc, c'est que quitte à utiliser éruption, vous avez d'autres Pokémon qui sont mieux placés pour l'utiliser. On pense évidemment à Aetran, hein. En plus de ça, il suffit de venir sur des pièges de roc, et votre éruption fait moins mal que Déflagration, je vous le rappelle. Alors faites bien attention à ça. C'est un mauvais Pokémon, vraiment, à ne pas utiliser. Le prochain Pokémon dont on va parler, c'est Torterra. Torterra, le starter plante de la 4e génération. C'est vrai qu'à regarder ses statistiques, on se dit c'est pas mal. Bonne statistique défensive, hein. Et à côté de ça, il a une bonne attaque et surtout il a accès à séisme stabé. Il a même accès à piège de roc. Mais alors pourquoi ce Pokémon est vraiment mauvais? C'est parce qu'en fait ce Pokémon a un très mauvais double type. On a une faiblesse à l'insecte, une faiblesse au feu, une faiblesse poison et surtout une faiblesse à la glace qui est double. Et le gros problème, c'est que le type glace est un des types offensifs les plus courants dans le jeu. C'est-à-dire que la plupart des Pokémon qui n'en auront pas d'attaque glace, ben, y en a pas mal qui vont mettre PC glace. Et en fait, n'importe quel PC glace un peu faible, bah, va défoncer ce pauvre Torterra. Au final, c'est un Pokémon qui est juste un peu entre tout, avec des faiblesses vraiment handicapantes. Et il sera souvent déclassé au profit de Pokémon plus adaptés. On pense évidemment à Florizarre pour le côté défensif et à Majaspic pour le côté offensif. Le Pokémon suivant dont on va parler, c'est Meganium.
tous les autres Pokémon, on peut se dire oui, Fildrong, mais s'ils sont bien entourés, ils peuvent briller. Et je vous dirai jamais non. De toute manière, tous les starters sont corrects dans le sens qu'ils ont des bonnes statistiques, des attaques plutôt correctes. Mais là, on a vraiment le summum de la mocheté avec Meganium. Alors lui, il est vraiment... C'est-à-dire qu'on a un Pokémon de type plante pure avec aucune capacité spéciale utile, une capacité de défense et de défense spéciale qui est le seul truc un peu moyen qu'il a, et c'est tout. Le seul truc qu'il peut faire, c'est placer les murs de défense, hein, protection et mur lumière, mais à part ça, il sert à rien, il tape pas fort, c'est un nid à placement de milliers de Pokémon, c'est vraiment un Pokémon. Je lui dans la bouche. Et voilà. Mais là, vous allez me dire, mais Fildrong, t'en as fait que 5 des Pokémon. T'en as oublié un, parce que Meganium, c'est vraiment le plus des starters. On est tous d'accord pour dire ça. Et non, car il y a un starter que tout le monde oublie. Et ce Pokémon, c'est Pikachu, qui n'est autre que la mascotte de la série. Et Pikachu, et ben le gros problème qu'il a sur les autres Pokémon starters, bah, c'est qu'il évoluait pas. Et du coup, bah, ça devient un Pokémon horrible. Parce qu'il a des stats de Pokémon de base. Même sa vitesse, qui est sa meilleure statistique, est très mauvaise. Il ne peut pas prendre une seule attaque. Même les attaques résistées vont souvent le tuer. Alors, il a quand même deux avantages. Le premier avantage, c'est que c'est le Pokémon emblématique de la série, un Pokémon de la première génération. Donc, c'est un des Pokémon qui a le move pool le plus rigolo de toute la franchise, c'est-à-dire que ce truc a accès à surf, à rebond, à extrême vitesse, bluff, électacle et tout. Mais en fait, c'est aussi un désavantage parce qu'il y a plein d'attaques qu'il ne peut pas avoir en combo. Un bon exemple, c'est qu'il ne peut pas avoir accès à extrême vitesse et accès à électacle, parce que c'est pas compatible. Le deuxième avantage qu'il a, c'est qu'il a son item spécial, la balle lumière, qui double son attaque spéciale et son attaque, et qui peut le faire taper extrêmement fort. Mais au final, le fait qu'il ne peut pas prendre une seule attaque dans le jeu, et que même avec la balle lumière, il va rater des one-shots sur beaucoup de Pokémon, eh bien ça en fait un Pokémon qu'il ne faut pas utiliser, évidemment, sauf quand c'est rigolo. C'est donc tout pour la vidéo d'aujourd'hui. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez liker, vous abonner et commenter la chaîne Pokémon Trash. J'ai aussi ma propre chaîne YouTube et mes propres réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre là-dessus. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss !